Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui n'est pas une vidéo en direct ce coup-ci parce que bah, pour le poker, c'est pas comme aux échecs. Déjà, aux échecs, c'est un peu gênant quand on explique nos idées et que bah, le mec, potentiellement notre adversaire, il écoute nos idées. Bon, après, des fois, c'est plus ça déconcentre plus que ça te donne vraiment d'infos, surtout qu'on peut le faire un piège et dire « Ah, j'ai envie de faire ça », alors qu'en fait, on a envie de faire autre chose. Donc, bon, et puis de toute façon, aux échecs, tout est visible, il n'y a rien de caché. Au poker, c'est beaucoup plus dommage que quelqu'un puisse savoir notre main, éventuellement, voilà, même sans parler, même en coupant le son. Juste le mec qui se dit « Ah, je suis dans un gros coup contre le mec qui stream. Je me mets déconnecté, comme ça j'ai le sablier blanc de déconnexion, ou gris, je sais plus. Je regarde, j'attends, parce qu'il y a toujours un petit délai. J'attends la minute de délai, hop, je clique pour me reconnecter parce que je sais sa main. Et je peux le bluffer parce qu'il peut pas me payer avec sa main ou voilà. » Ou il est en train de me bluffer parce qu'il a une mauvaise main, en vrai, il n'a rien touché, et donc je paye, etc., etc. Donc ça, c'est juste horrible. Bon, je ne suis pas encore très connu, mais comme j'ai fait comme j'en ai parlé sur le chat du tournoi, etc., bon, ça serait un peu dommage quand même. Donc là, je suis en train d'enregistrer, et ce que vous voyez, donc c'est donc déroulé hier, normalement, hein, puisque normalement, nous sommes dimanche, enfin, je la mets en ligne donc dimanche, donc demain pour moi en ce moment. Voilà, alors ce tournoi, c'est le tournoi de Noël qui commence du coup dans 5 minutes. Et comme j'aime bien multitabler, alors je mettrai sûrement les autres tables sur mon deuxième écran. Mais comme j'aime bien multitabler, eh bien je vais me préparer ma session. Donc là j'ai un free roll d'ouvert, j'étais absent, donc là je vais revenir. Bon, c'est un petit free roll vite fait là. Jamais si je peux gratter quelques. Je vais le mettre là. Je suis à 10 blindes. Quelques centimes par-ci par-là. C'est toujours ça, hein, sans table gratos. Rien n'empêche de les multitabler. Bon, il ne faut peut-être pas se déconcentrer quoi dessus, mais bon. Ça, c'est pour mon aide au jeu. Hop. Ah ben c'est la pause. Bon, ça démarre dans 5 minutes. Donc voilà, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux bien sympathiques, ma foi, à gagner. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, mon petit chat de mon gang caché. Donc voilà, je vais me préparer ma session. Donc moi, j'ai pas une grosse bankroll. J'ai en tout 70 euros en gros de bankroll pour l'instant, en partant de 25 de dépôt à peu près sur toutes les poker rooms. Alors. Les gratuits, bah c'est bon, il y a un free roll dans 19 minutes, je vais m'y inscrire. Je vais faire mes petits sit and go free roll de la journée, c'est toujours quelques centimes à prendre par-ci par-là. C'est vraiment ridicule pour certains, mais on peut très bien se mettre absent, et puis à la fin on regarde, ah, il me reste 3 blindes, le tapis, et puis ça passe, on gagne 3 centimes. C'est rien, mais c'est toujours une petite blinde de cash game 2 euros. C'est toujours ça. C'est toujours 10 mains de plus, du coup, qu'on peut voir sur une cash game 10 euros. Donc, voilà, il n'y a rien qui empêche de les faire. Ça, c'est bon. Maintenant, en tournoi payant, je ne vais pas en lancer beaucoup, hein, puisqu'en fait, c'est hors bankroll management. Hein, parce que moi, 25 centimes, c'est déjà trop par rapport à ma bankroll. Donc là, c'est dans 33 minutes, c'est un peu tard. Si j'ai envie d'ouvrir maintenant... Là, je vois une entrée tardive sur un mini-roll ici. Voilà, ça, c'est un petit peu mon « one time », entre guillemets. Bon, le vrai « one time », c'est le tournoi de Noël. Moi, je trouve ça cool d'y participer. Voilà, un coach, un pro qui fait l'effort d'organiser des tournois, ben, je trouve ça bien. Voilà.
quand je trouve quelque chose bien, ben, j'ai envie d'y participer. Tac. Donc ça, mon mini-roll, je pense quand même que je vais le... C'est quand même un tournoi intéressant. Je vais le caler ici. Celui-ci, le sit and go free roll, on s'en fout un peu. Je vais me les caler sur les deuxièmes écrans. Ça, c'est pour Winamax. Ça va suffire. Alors, BetClick et PokerStars. Donc, je ne vais pas avoir de free roll parce que le Crazy Sun, en fait, j'ai réussi à m'y qualifier. Il y avait 10 places. À chaque fois, il y a 10 qualifiés. Et vous voyez, c'est demain. C'est où? C'est là. Mes tournois. Demain, c'est un tournoi à 3 euros, donc sur lequel j'ai pu me qualifier gratuitement. Et ben, on n'est que 171 en fait pour l'instant. Mais il y a quand même pas mal de tickets sympas à gagner sur ce Crazy Sun Day. Crazy Sun Day. C'est demain 18h. Je ne sais pas si je vais le stream, ça m'étonnerait. Mais voilà. Et j'ai le free roll VIP. 1500 euros. Donc ça, c'est sûrement... Je ne sais pas pourquoi je suis déjà VIP. J'ai rien fait dessus. Statut VIP, j'en ai aucun, non? Homme de division Pro 5. Comment ça se fait que je suis... Non, mais... Je comprends pas. Moi, je sais pas comment ça se fait. Division Pro 5, 1 sur 1. Non, mais ça doit être la plus basse. J'en sais rien. En tout cas, je m'inscris à ce tournoi VIP. Alors, poker. Ici, j'ai déjà pareil, 3 sit and go free roll à lancer. C'est rien, mais c'est toujours ça de prix. C'est 3 par heure. Hein. Sur cela, on peut vraiment en enchaîner toute la journée. Il y a quand même 5 centimes. 3 par heure, ça peut faire toujours 15 centimes par heure en plus. Pendant que vous faites vos 20 tables, vous en avez voilà, 3 gratuites par heure qui pop. C'est rien, mais c'est quand même, sur une journée, ça peut représenter 1 euro ou 2, et donc c'est une cave ou deux de tournoi à 1 euro, 4 caves de tournoi à 50 centimes, etc. 10 centimes, c'est totalement dans ma bankroll, puisque je suis à plus de 20, donc voilà, lui, il est pas du tout hors bankroll. Voilà, le tournoi de Noël qui pop, regardez-moi comme il est joliment décoré, je trouve ça super. Ce mini-roll, il va, ce free-roll, il va aller là. Pas gêné. Et ici, ça va être plus gros du coup. Voilà. Ben, bonjour à tous. Hein. Je vais répondre. Bonsoir. Et bonjour. Ok, ah ouais, si, on a des primes en éliminant. J'avais pas vu que c'était un chaos. Eh ouais, il est bien ce tournoi, il est bien. Ok, il est bien ce tournoi, il est bien. Prime progressive, mais oui, j'avais pas vu, j'ai dit une bêtise dans la présentation hier. Tant pis. Voilà, donc. Des tournois gratuits qui vont pop, là je vais en avoir trop en fait, des tournois, j'en ai déjà trop. Voilà, donc ça c'est bon, je vais balancer encore, donc toujours sur BetClick. Donc ça c'est encore un tournoi gratos, que je vais mettre là-bas. Tac. Toujours sur BetClick, j'ai dit donc maintenant les tournois un petit peu one time, on va dire. Normalement, j'ai encore tous les 10 centimes, je peux les jouer. Donc, j'ai l'Euro Challenger ici. Voilà, on va pop plein de tables. Hein. J'en ai déjà pas mal, mais bon, il n'y a pas de problème. Ok, là j'ai mon mini-roll. Tac. Mmh.
Ok, alors, du coup, hop, ici, donc, je vais lancer quoi? Je vais lancer l'euro challenger à 30 centimes, voilà, celui-là, il est un petit peu hors bankroll, puisque normalement, pour le faire, il faudrait que j'ai 60 euros de bankroll, d'après mes trucs, d'après ma vision du bankroll management. Tac, tac, tac. Donc lui, je vais le mettre ici, pareil. Je le mettrai sur le premier écran. Alors, Parabellum, Victor, Molokai, McDonald. Donc ça, c'était pour BetClick. Maintenant, PokerStars, j'ai également une bankroll. Les autres, je ne les ai pas encore installés sur ce PC. J'ai PMU et Unibet. Alors ici, il n'y aura pas de free roll, j'ai vu. Dans les sit and go, il n'y a pas de sit and go pas cher non plus. C'est que 50 centimes minimum. Donc pour l'instant, j'en fais pas trop. Et donc là, qu'est-ce que je vais lancer? Là. J'ai un 10 centimes. 17 places payées ici. Qui est dans ma bankroll? Parce que là, je suis à presque 30 également. Ouh, les as ici, ça fait plaisir. Je vais faire un petit 20. Un petit 20 bébé ici. Paf. Donc ça, c'est un tournoi 10 centimes. Donc pareil, il est dans la bankroll. Donc je vais le mettre sur l'écran de droite. Pas de problème pour ce tournoi. Il n'y a pas de problème non plus pour les autres. Hein. Mais disons que je préfère mettre ceux où il y a le plus d'enjeux. Voilà. Ok, et je vais peut-être lancer. Donc celui-là, voilà, c'est un 10 centimes, donc je m'en fous un peu. Bien sûr, j'ai peur de la dame ici. Hein. Si un mec a une dame, ben, je suis au fond. Ah ben non, ben, même s'il a une dame, en fait, c'est génial, je vais tout lui prendre. Du coup, là, j'ai peur de rien, je vais check. Pour essayer qu'il me bluffe à la rivière, ou qu'il touche sa couleur, etc. Et puis, on va envoyer ici. Et voilà, et je double up sur le mini-roll. Double up. Ça, c'est fait. Ok, un H10 ici. Un H10 ici, ça va être... Ça va être 2,2. Et là, ici, ça va être 1,5. Au flop. Comme bête de continuation. Le fameux C-bet. Et je suis payé. Quelque chose qui ne me plaît pas tant que ça, là. Deux A. Trois A out en fait, vraiment. Fois 2, 6. Une chance sur 16. Bon, là, je vais vraiment pas rejouer. Je vais pas remiser là sur ce coup. Je vais pas continuer mon agression. On va pas partir sur un bluff à triple barrel ni rien ici. Et là, j'avais dit une chance sur 16 de toucher mon as. Et encore, je suis même pas sûr s'il a un 7, je suis pas bien. Là, je vais fold, tranquille. Pas perdre trop de jetons sur ce coup. Bip, 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 bip. Alors là, j'ai rien de spécial. Alors là, ça va être un x3 hein, quand même, avec As-Dame au bouton, mais enfin...
30 centimes, il n'a pas commencé le 30 centimes. Comment ça se fait que je l'ai pas le 30 centimes? Alors, il est où ce tournoi? 30 centimes. Le re-challenger, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est un 10 centimes. Ah, celui-là, c'est un 10 centimes, c'est pas celui-là, mais il est où le 30 centimes? Sacheta. Bon, là, j'arrête pas d'être AFK, j'ai folle les valets juste parce que j'étais AFK, donc celui-là, je vais quand même le mettre ici. Vite fait, il va pas trop nous gêner. Bon, là, j'ai trop de tables, ça y est, j'arrive plus trop à gérer comme il faut, donc je vais plus en ouvrir pour l'instant. C'est celui-là alors peut-être. Non, ça ne doit pas être celui-là. Celui-là, c'est le 10 centimes. Et je vais y arriver ou pas? Il y en a un derrière là. Alors As-10, je vais faire un x2 ici de loin. Ok, 10 bébés, oh, je te respecte à fond, 10 bébés. Hein. Pas de problème, hein. Ça sent la grosse main, là. Ok, bon, je veux retrouver ce tournoi Betclic à 30 centimes, et je ne sais pas c'est lequel. Sacheta, Sacheta, Hold'em Classic. Donc, ainsi que le re-challenger, il est là. Je le vois pas, je sais pas où il est. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça se trouve, il n'a pas démarré, non? Est-ce qu'il a démarré? Dans 8 minutes. Ah ben voilà, mais il n'a pas démarré. Donc, je le mettrai ici. Là, j'ai quelques tables qui bustent, donc ça, c'est cool. Sur les tournois gratuits, là, les sit and go free roll, c'est cool quand ça bust, c'est cool quand ça ramène 5 centimes, c'est cool tout le temps en fait. Là, c'est dommage, j'ai foldé les valets, hein, c'était horrible. Je vais l'agrandir un peu, qu'on voit un peu plus quand même. Hop. Alors les valets ici, ça c'est cool. Je suis dixième là. Et ben les valets sur une autre table à côté, sur un free roll, c'est évidemment. Je vois des valets aujourd'hui, je vois des valets.
parce que j'habite à la montagne. Waouh. Ok, hop, hop. Le pot ici sur ce flop, superbe. Superbe flop. Voilà, ça me permet de remporter le coup. Je suis 8e sur 167. Ça démarre bien. En plus, il me file à 3. Non, ça se fait que j'avais écrit quelque chose sur Mimi. Ça date d'il y a tellement longtemps que je vais effacer. Je referai des notes plus tard. C'était il y a 2-3 ans peut-être et je ne faisais pas forcément les bonnes notes. Oh mince, pourquoi je fais ça? C'est une erreur. Voilà, tout ça, c'est du gratos. Non, oh là là, pas 12. Je vais call à 3 blindes ici. Je touche le roi avec mon as-roi. C'est juste magnifique. Magnifique ici. Bon, c'est bien deep, hein, ce tournoi de Noël. C'est génial. Que ce soit aussi deep. C'est vraiment cool. J'adore les tournois deep. Ça rentre bien dans mon style de jeu. Je ne suis pas une vraie serrure, mais je suis plutôt une semi-serrure, on pourrait dire un peu. Après, ça dépend, parce qu'en fait, j'essaye d'être agressif. En fait, je suis assez tight et assez agressif. Voilà, je pense que c'est le bon profil. Après, peut-être j'ai un jeu post-flop qui est un peu léger. Et peut-être je suis un peu trop tight en pré-flop. Un petit peu trop. Bon, là, je peux pas. Il s'excite un peu trop là pour jouer avec un As-10. Ouais, est-ce que je bluffe ce coup 5 blindes, c'est pas dingue. Bon, ça se fait que je suis dans ce coup d'ailleurs avec 5 blindes. J'avais fait une petite relance, mais j'avais pas. Ouais, je vais bluffer ce coup. Ici. Alors, j'ai vu un tournoi commencer, je crois que c'était un free roll. Voilà, il est là, je vais me le mettre à droite. Ben, il a fold ou pas? Je n'ai même pas vu que je sache s'ils ont eu l'info que je bluffais ou pas. Ben, il a fold. Hein. Ça, c'est cool. Bon, là, je fais des boîtes un peu partout là sur les tournois gratuits ou en bankroll avec des mains correctes. Que je puisse me concentrer un peu sur le tournoi de Noël. Bon, pour l'instant, je touche pas de main, c'est deep, j'ai le temps d'attendre des mains. Oui, quand ça touche, ça fait du bien. Regardez ce tournoi gratuit. J'ai éliminé en fait les deux mecs qui étaient là et tous les autres étaient absents. Enfin, non, il y en a qui se sont fait éliminer et il y en a ils sont absents, donc bah, du coup, là, j'aurais juste à relancer chaque main et je gagne 5 centimes. Bon, c'est rien, hein, bien sûr. Hein. C'est déjà ça, sur mes tournois. Voilà, quand vous savez que, en fait, moi, je veux avoir 200 buy-in avant de faire un tournoi. Donc, ce qui n'est pas le cas sur le tournoi de Noël, ici, bien sûr, c'est du one-time, tant pis, c'est pour le fun. Je ne suis pas à 2 euros près non plus dans ma vie. Mais, voilà, en termes de régularité, de tournois que l'on fait régulièrement, moi, je vous conseille d'avoir au moins 200 fois le montant de bankroll. Ce qui est beaucoup. On est bien d'accord. Du coup, voilà, pourquoi je disais ça? Bah, du coup, pour moi, les tournois 30 centimes sont déjà hors bankroll en vrai. Et donc, bah, si je peux gratter 5-6 centimes par là, une dizaine de centimes par-ci, par-là, bah... Se priver, hein.
que j'ai là. J'ai mon asthme qui me fait un peu des siennes, désolé. Si vous entendez des bruits qui ne sont pas très beaux, sachez que c'est mieux les entendre plutôt que de les faire. Je peux pas attaquer ici. Un petit 2,2 ici au bouton. Bon, petit vol de blinde effectué. Quoi, bip bip? Elle est où la main? Là. Tac. Allez, un as suité, potentiellement une meilleure couleur, voilà. Ici, je vais donc bet à la moitié du pot, du coup, parce que ça, j'ai de belles chances là, de gagner ce coup. Et il y a plus de mouvement, c'est pas sur le tournoi de Noël, malheureusement. C'est sur le mini-roll. Et là, je peux mettre un quart du pot, raisonnablement. Ouais. Et non. Voilà, le fameux tournoi 30 centimes que j'ai envie de jouer. Waouh. Faire boîte ici, parce qu'il y a déjà eu une relance avant. Et voilà, je touche ma couleur ici, je suis très content. Oh là là, couleur contre couleur, je lui prends tout. Couleur contre couleur, non, même pas. Il avait un brelan. Heureusement qu'il n'a pas un full, je suis très content. Ouh, j'ai échappé belle au full. Enfin, j'ai échappé belle. Non, il n'y avait pas de paire au flop. Il n'y avait pas de paire sur le plateau, donc je ne pouvais pas avoir de full. Mais je dis que j'ai échappé belle parce qu'en fait, je n'avais même pas vérifié. Je me croyais max. Effectivement, j'étais max, mais pour être sûr d'être max, il aurait fallu que je vérifie. Alors là, attention, je fais un x4 et le mec me fait un x15. Avec les 10, je vais fold. Hein. Je ne vais pas m'enflammer tout de suite. Si j'avais moins de 15 bébés, bien sûr que là, c'est clair que la question ne se pose pas. Après, le mec, bon, je ne le couvre pas. Qu'est-ce que tu me fais, là, McDonald's? Si je fais x4, qui fait x15, en fait, il a potentiellement une main énorme. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que je le paye ou pas? Bon, c'est un tournoi ribaille. Je pense qu'il faut que je le paye. Hein, je pense que je peux ribailler une fois si ça passe pas. Ouais, bon, mais je fais mon brelan de 10 ici. Et je double ici. Allez! Et je prends la prime KO qui fait du bien. Ah, il faut envoyer un peu du spectacle là. J'aurais fold, ça aurait été sérieux. Ça aurait été très sérieux de fold. Mais bon, voilà quoi. Je veux dire, bon. On est là pour jouer un peu ce soir. On est là pour jouer un petit peu ce soir. Un petit coup, voyez-vous. Voilà. Bon, lui, c'est un 10 centimes. Il va vite passer ailleurs. Ah ben là, j'ai plus rien, mince. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je me suis fait raser. Je me suis fait shave. Shaved. Ouais. Ah mince, là, faut pas que je joue comme ça, parce que je suis potentiellement ITM. Donc, cette main-là n'est pas suffisante pour jouer, là. Ok, ici, hein. Je balance tout, bien évidemment. Ok, donc celui-là, il saute, ça c'est cool. Ça en fait un... Enfin, c'est cool, non, mais sans fin de moins. Et donc, c'est cool, en fait. La meuf, la quatrième, ici, je suis pas mal gros, je suis content.
J'ai pris 45 centimes pour la boîte, pour la maison. Et bah, c'est cool, ma foi. Ah mais là, je suis très bien également. Oh là là, ça se passe bien pour l'instant, ce début de session, ma foi. Alors, Valérie Suité, une main intéressante. Une main intéressante, mais là, je suis tellement bien, hein, en étant cinquième, que je vais fold tout tranquillement cette main, qui est une main potentielle quand on a envie de monter, quand on veut bien prendre des risques parce qu'on est un peu obligé de le faire. Je pense, hein. Alors... justement, tiens, je ne sais pas si tu verras ça et cette vidéo, Mathieu Lacomte, je pense qu'il y a des chances que tu la regardes. Tes coachs, hein, peut-être tu peux, n'hésite pas à balancer 2-3 coms. Si tes coms sont pertinents et que des gens trouvent ça bien, tes explications sur la vidéo, peut-être que tu vas te dégoter des nouveaux clients pour du coaching. Donc, n'hésite pas à mettre 2-3 coms sur certaines analyses. Ne dis pas tout non plus, bien sûr, sinon les gens ils vont plus avoir d'intérêt à payer pour un coaching si tu dis tout sur mes vidéos, bien évidemment. Mais, voilà, n'hésite pas à me corriger, enfin, entre guillemets, à donner des avis sur mes moves. Est-ce que là, par exemple, je pense, il y a de grandes chances que tu vas me dire que ce 10 valet, il fallait jouer, peut-être même faire une petite relance ici, un min-raise, quelque chose. Après, peut-être que de jouer la semi-serrure quand tu es en avantage comme moi, c'est peut-être aussi tout à fait viable. Je sais pas. Franchement, je n'ai pas assez de connaissances théoriques pour... moi, je joue comme ça, après... Faut voir ce que ça donne. Hein. Ouais. 2,30 ici. Oh là là, mince. Alors, là, le 5 là, c'est intéressant. Ça me donne envie de faire une blinde 5 là en. Ouais, une petite blinde 5 ici. Ça me semble sympa. Là, ça devient moins cool maintenant. Je peux peut-être mettre une petite blinde tranquille. La petite blinde tranquille. Ah mince! Oh. Pouh! Je finis ce coup, je sais pas comment. Ah, ça, c'est pas mal finalement. Bon. Je chatte un peu là sur ce mini-roll. Ça fait plaisir, ma foi. Ça fait plaisir. Je peux check là, qu'est-ce que je fais? Je veux fold à la place de check. Heureusement que les logiciels ils nous le disent, quoi. Sois pas con, mec. On sait qu'il y a du multitabling, donc sois pas con. Check, tu vois. Oh là là. Oh, j'en ai marre de cet asthme de malheur. Ça fait 35 ans que cet asthme de malheur me pompe l'air, c'est le cas de le dire. Vous me direz pourquoi tu as fumé. Et pourquoi du coup tu vapotes? Bah, je vapote pour arrêter de fumer, ça marche. C'était la catastrophe de fumer. Mais après, comment dire, ça arrive souvent aux asthmatiques d'avoir une période sans symptômes, une période asymptomatique. Et donc, j'ai été asymptomatique pendant plein de temps. Et donc, bah, du coup, j'ai fumé. Et surtout qu'en fait, malheureusement, j'ai été asymptomatique au moment où je venais de commencer de fumer. J'avais l'impression que c'est... voilà, oh, bah, je fume, ça m'a fait du bien à l'asthme. Mais non, en fait, ça n'avait aucun sens, aucune corrélation. Et au contraire, ça me faisait beaucoup de mal de fumer, mais pas plus que n'importe qui, puisque je n'avais pas de symptômes à ce moment-là. Ça ne m'irritait pas spécialement les poumons. Par contre, là, en ayant des symptômes, fumer, c'était une augmentation des symptômes. Et comme il y a une sorte de cercle vicieux avec l'asthme, c'est-à-dire que quand on a de l'asthme, eh bien, vu que ça rentre moins bien l'air dedans,
Bah, du coup, les petits inhalateurs à la cortisone, ils font moins d'effet puisque l'air rentre moins. Donc forcément, l'asthme empire et peut ne faire qu'empirer. Et dans l'autre sens, en fait, quand on fait du sport et que les poumons sont forcés à s'ouvrir, à ce moment-là, si on prend de la cortisone au bon moment, eh bien, ça va inciter à encore plus les ouvrir, etc. Donc, il y a le cercle vertueux. Et c'est hyper dur de faire du sport quand on a de l'asthme parce que la volonté n'est pas présente. C'est hyper dur de se motiver à aller faire un petit footing alors que tu as de l'asthme. Et pourtant, c'est la solution. C'est ça qui est assez paradoxal dans cette maladie. Et je vais aller normalement à une clinique du souffle. Et donc, ce sont des gens qui sont à la fois médecins, pneumologues, et en même temps, coach sportif un peu, quoi, hein, et qui vont vous faire faire... Et ça va être génial, je pense. Je vais aller à ces cliniques du souffle. Et j'espère que je vais revivre un peu. Et s'il faut que j'aille de plus en plus à la montagne, eh ben, j'irai de plus en plus à la montagne, voyez-vous. Un petit as d'âme ici, ça va être le fold. Je suis tellement bien que je joue même pas les as d'âme, je joue que les as rois. Très tight ici, ou les mains potentielles, les mains différentes. Elle aurait été pariée, non même pas. Je crois que je foldais mon as d'âme ici sans problème. Bon, là j'ai bust. Je fais combien? Ah mince, je fais 3e sur le tournoi à 10 centimes. Sur le sit and go 10 centimes, les deux premiers étaient payés. Dommage. Perdu 10 centimes là-dessus, bêtement. Parce que j'aurais pu attendre, il y avait un absent. J'ai joué. J'ai joué des coups pour rien. Bon, bah, 6e sur 193 ici, je suis vraiment un monstre. Là, ici, 7e sur 69, je suis pas mal. Shatter is back. Et là. Voldemort, j'aime bien son pseudo. Excellent. La Parabellum, j'aime bien aussi. C'est un très bon groupe de musique. Hein. Combien il y a de places payées sur ce Challenger à 30 centimes? Il y a. C'est où au fait que c'est écrit ici? Il y a 4 places payées. Ah, encore les 10 comme tout à l'heure. Il y a 4 belles places payées. Intéressant. Et sur celui-ci. Oh là là! Le roi valet qui m'a coincé sur celui-ci. Aïe aïe aïe. J'ai pris une mauvaise rencontre ici. Je floppe mon roi. J'étais en big blind. Hein. J'aurais joué cette main justement pour éviter les rencontres. Et c'est pour ça que les big blinds sont dangereuses des fois. Hein. Si on se retrouve avec des mains un peu marginales dans des coups, et bah, si on partage la même top pair avec le mec en face mais qui a un meilleur kicker, c'est souvent l'accident ici. Mais bon, je préfère les jouer quand même ces mains-là parce que en fait, c'est pas tout le temps non plus qu'on floppe une top pair. Et donc, bah, tant pis, hein, de toute façon, on fera toujours que 20% en gros d'ITM sur les MTT. Donc. Pas grave hein, si on bust. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer voilà, des gros montants. Là, par exemple, là ici, je fais ITM, je suis content. Hein. Moi, je serre les fesses jusqu'à ITM, c'est cool. Hein. Ça suffit. Hein. C'est un tournoi à 2 euros. Je n'ai pas du tout la bankroll pour le faire. Il faudrait que j'ai 400 euros de bankroll pour le faire. Et en plus, c'est un rebuy. Donc, il faudrait potentiellement que j'ai plus. Mais c'est un tournoi sympa. Donc, on le joue. Quoi. Voilà. On n'est pas en mode. Pas à 2 euros près non plus. Si je balance 4 euros ou 6 ou 6 euros en faisant 3 rebuy dessus, c'est pas grave. C'est quand même pas tout le temps que on va faire ce tournoi de Noël. C'est une fois par an Noël quand même, les amis. Voilà, bon, ici j'ai gagné un tournoi gratos. Hop, 5 centimes. Voilà, et ça y est, je commence à avoir un peu moins de table. Je vais pouvoir être un peu plus cool dans ma tête. Un peu plus cool, Raoul, in the head. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, un tournoi de euros qui me passe bien, un 25 centimes qui se passe bien, le 30 centimes, il n'y a que 4 places payées, il va falloir monter des jetons. Inch'Allah. Un free roll, ouais, bof. Ah, mais là, j'ai un free roll où je suis payé, j'ai plus que 6 blindes, mais regardez, on est plus que 1100. Et là, 1100, je suis pas dans le palier de paiement supplémentaire, il va falloir envoyer des boîtes.
Mais bon, c'est un petit free-roll à la noix, on s'en fout un peu. Est-ce que je rouvre des tables? Oh, pas pour l'instant, je vais voir la pause suivante, à 55, enfin à 22h du coup. On va attendre, je fais pas mal de choses aujourd'hui, je suis pas mal fatigué, je sais pas si je vais avoir le moral d'ouvrir plein de tables. Après, moi, je vous conseille vraiment de multitabler, je vous conseille vraiment d'avoir plusieurs poker rooms. Si vous voulez des liens pour le parrainage, vous pouvez avoir plein de bonus. Je crois qu'il y a Unibet qui donne jusqu'à 120 euros de bonus, je crois. Je crois qu'il faut faire un dépôt de 15 seulement. Non, 15, vous avez un bonus de 15, je crois. Je crois que c'est 120, il faut faire un dépôt de 120. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a tous les liens dans la description. Donc là, dans cette vidéo-là, il y a certaines vidéos, il n'y a pas les liens parce que j'ai beaucoup de travail, donc j'ai pas toujours le temps de soigner mes vidéos, de mettre les liens, les écrans de fin, les fiches, etc. Excusez-moi. Hein. Mais voilà, si vous regardez un petit peu dans toutes les vidéos poker qu'il y a sur la chaîne, il y aura forcément une où il y a les liens. Et donc, vous pouvez, voilà, que ce soit... Bah, si c'est Winamax, à mon avis, vous êtes déjà joueur de Winamax puisqu'il y a ce tournoi, mais pas sûr. Donc voilà, je peux vous parrainer sur Winamax, il y a PMU, il y a Unibet, il y a Betkick, il y a PokerStar. PokerStar, c'est intéressant, hein. Il donne plein de tickets. Il donne du cash en forme de bonus et il donne des tickets. Betkick, c'est pas mal aussi parce qu'il donne également plein de tickets spin and go, là où je sais pas quoi. Et, si vous avez de la chance que vous tombez sur le gros bonus, bah, ça peut éventuellement faire beaucoup. Alors, je buste avec As-3 contre les deux, là, ouais. 2 centimes. Yeah, je suis refait, les amis. Bon, bah, 2 blindes 2, c'est très sérieux comme raise. Hein. Très bien, les min-raise. Hein. Bon, allez. Hein. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Je suis en grosse blinde. Je touche ma top pair. Après, j'ai un tout petit kicker, quoi. Le tout petit kicker. Donc, c'est là où faut pas bust, mais bon, je vais le jouer, quoi. Je vais le jouer, ce qui... Ah! Alors, peut-être la dame me sauve ici, parce que là, je vais check au cas où il était sur une dame depuis tout à l'heure. Bon, il check également. Et effectivement, la dame me sauve. Parce que j'avais un tout petit kicker, et l'autre avait un meilleur kicker. Et finalement, cette dame me permet de partager le pot. Ça, ça fait plaisir. Et j'ai check au cas où il était sur un brelan de dame, parce que après je peux check call, hein. Je peux aussi call pour voir, mais je peux check fold aussi, quoi. Donc dans tous les cas, cette dame était là un peu pour me sauver, parce que si le mec m'attendait sur un brelan, je crois qu'il fallait vraiment, ce que j'ai fait, c'était passer en pot contrôle, on appelle ça. Pas que le pote s'enflamme, parce que si moi déjà je mise et que lui il relance, là ça va être dur de payer. Alors que si je mise pas et que lui il ouvre, je peux peut-être call, quoi. Je suis en pot contrôle, voilà. Je contrôle mon popote. Et bien ce re-challenger là à 10 centimes, je suis au fond, j'ai pris un mauvais coup. Il y a 8 places payées et le tapis moyen il est à 15 000. Ouais, je suis vraiment au fond là. Ça va être boîte ici, hein, du coup. Donc voilà, en fait, vous ouvrez 20 tournois, il y en a 2, 4, ça va bien se passer. Donc c'est pour ça qu'il faut multitabler, parce que le volume compense la variance. Après, les tournois rebuy, c'est différent. Parce que vous pouvez du coup jouer très 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 agressif au début. C'est pour ça que j'ai payé avec les 10 tout à l'heure, sinon j'aurais fold. Comme c'est un tournoi rebuy, je paye. Et si ça passe pas le 50-50, eh ben je rebuy. Voilà. Vous pouvez jouer. De toute façon, il faut les jouer les 50-50 au début. Enfin, une fois que vous en avez gagné un, ne jouez les 50-50 que sur les mecs que vous couvrez, en fait, en vrai. Si possible. Et puis sur les mecs qui vous couvrent, essayez de trouver plutôt des spots avec des flops où vous avez plus d'edge. Ah, je suis à boîte ici avec As-3. J'ai payé 2 fois et je vois pas un flop super ici. Aïe aïe aïe. Je vois pas un flop super ici. 27% quand même, hein, au flop. 23 à la turn et 0 à la river. C'est la catastrophe ici. J'ai perdu 10 centimes. Ouais, allez, on va rebuy. Tac.
Bon, ça va pour l'instant, la session n'est pas perdante de beaucoup. J'ai perdu 10, 10, perdu 20 centimes pour l'instant. Donc, j'ai perdu 20 centimes, mais j'ai 2,25, 2,55 en jeu encore. 2,65. Ah, je viens de recard et je suis payé quand j'ai balancé avec les rois et King Kong, ça c'est cool ça. Alors ici, hein, on peut faire le petit spot, j'en ai pas souvent des spots. On peut le faire ici. Après, 7e sur 12, j'étais pas obligé. Bah bon, ça fait du bien les petits arrachages de blindes quand ça passe. Là, ça passe pas. Bon, j'ai lâché deux blindes 2. Voilà, bon, ils vont se les partager. Enfin, il y a quelqu'un des deux qui va les prendre. Petit cadeau, quoi. Petit cadeau de chip leader de la table. Ah, même pas. Même pas, il y a bankroll qui est énorme ici. Ouais, on est deux chip leaders à la table. Et il y en a cinq qui sont devant nous. Qui c'est qui? Qui y a devant nous? Qui y a? J'aimerais voir le lobby, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... Il me fait... Il me fait... Tac. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il me fait, Winamax? Installation en cours. Mais je ne veux pas réinstaller. Oh, il y en a un où je suis absent. Ah! Ok, alors, qui est devant? Il n'y a pas tapin. Pas tapin. Quand vous voyez des pralines, ouais, jeu de mots moyen quand même. C'est un peu la boulangerie, des pralinés, mais bon. Mise à jour. Mais non, mais ignorez, mais tais-toi. Donc voilà, on a Digi Jackpot, on a Touch My Nuts, on a BCH 2005, okay. On a Bedonails, on a Gomax, et on a Bankroll pour moi, et je suis 2-3. Et ensuite, on a McDonald's hein, qui est à ma table, donc on est quand même une assez grosse table, puisqu'il y a trois personnes du top 10 sur la table. C'est une assez grosse table. Hein. Voilà, on a. Ah non, mais il n'est plus à ma table. Il n'est plus à ma table, il est parti tout à l'heure et il est monté après. Ok. Je vais prendre un peu de cortisone, ça va me calmer. Par la bouche, bien sûr. Dans les poumons, bien sûr. Hein. Tac. Tac. Ma saturation d'oxygène est bonne. Ça, c'est un appareil très important pour ceux qui, de temps en temps, se sentent pas bien, qui ont des maladies chroniques ou quoi. Ça coûte 60 balles, mais vous voyez, on a les beaux chiffres et ça permet d'éviter en fait la surréaction asthmatique, en fait, s'il se met à angoisser, et ben son asthme peut empirer. Il y a un facteur psychologique existant, quoi, qui est plus ou moins grand, ça dépend de votre asthme. Moi, il est assez faible, finalement, puisque je connais bien cette maladie. Et avec ce truc-là, du coup, c'est génial. Même en respirant peu, en ayant vraiment un asthme fort, ça peut suffire largement pour avoir une oxygénation, du corps qui est tout à fait correcte, et ça me permet de la vérifier en 2 secondes. Hop. Comme ça, ben, à la fois, s'il y a un problème, ben, je le sais tout de suite et je réagis tout de suite en appelant les pompiers. Puis, ben, si on n'a pas, ce qui est tout le temps le cas, en fait, il n'y en a jamais, en vrai. J'ai jamais eu vraiment de problème. Toutes les crises que je faisais, quand j'arrivais à l'hôpital, j'avais des saturations qui étaient correctes, j'étais pas du tout en danger. Donc, ça, je me suis dit, c'est peut-être plus rentable pour la société que je dépense 60 balles plutôt qu'à chaque fois faire des frais hospitaliers, même si c'est qu'un passage aux urgences, ça coûte quand même un petit quelque chose, le passage aux urgences. Au moins, je ne coûte plus rien. Bon, après, j'ai un traitement de ouf hein, qui coûte 3 000 balles par mois.
Mais bon, c'est pour éviter les hospitalisations, pour éviter qu'à terme, je puisse coûter encore plus cher à la société avec peut-être des opérations, des trucs. Enfin, vraiment, là, je parle d'un truc pas cool, quoi. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein. Et ben là, je paye, alors que normalement, je paye pas. Et puis là, ben, je vais payer, hein, parce que de toute façon, je suis 14e. Bon, c'est pas un bon move, je pense, hein. J'ai un petit kicker, mais bon, on y va. Taillot. Et ensuite, voilà, bon, bah, il avait touché son kicker. En fait, j'avais un meilleur kicker que le sien, mais bon. Voilà, de toute façon, je suis prêt à buster de plein de tournois, donc je m'en fous un peu, quelque part. Là, ce qui va compter, c'est vraiment ceux où je suis bien parti. Celui-là, bon, bah, je vais essayer de bien partir aussi. Hein. Mais ça s'est pas passé comme ça. Et puis voilà. Oh là là, qu'est-ce que je fais, les amis? Je joue ma double paire à fond alors qu'il y a une quinte flagrante ou pas? Ou pas. Allez, je veux buster. Je crois qu'il y a du rebuy en plus. Donc, j'avais vraiment envie de le jouer. Ah, il y avait une double paire avec le 10. Je veux buster. Parce que je veux rebuy, mon ami. Si vous aimez mes talents de chanteur, dites-le dans les commentaires. Hey, il y a 12 places payées, ça augmente. Voilà, re-entry. Tac, 30 centimes de plus de dépenser par Bibi. Estas Valet, est-ce que je le joue? Eh bien, regardez, je ne vais même pas le jouer. On ne va pas prendre de risque. Je serai hors de position. Si je tombe sur un As-3 ou un As-Dame, je suis cuit. Enfin, cuit. Voilà, là, par exemple, c'est le genre de flop qui sont chiants parce que je touche ma deuxième paire. Et en même temps, j'ai un tirage quinte. Ah, je vais être obligé d'envoyer des jetons. Je suis hors de position. Ça va être dur de jouer. Très dur de jouer, quoi. Et c'est clairement, en fait, on veut ne pas toucher, quoi. Si je paye, c'est pour ne pas toucher. Ou alors toucher un as, valet, quoi. Une double paire as-valet, ou une quinte, ou quelque chose. Mais pff, du coup, on a de grosses espérances, quoi. Parce que toucher un as, attention, les amis. Attention, là, il peut être très dangereux, quoi. Bon, on va voir. Pour l'instant, je suis content parce que je suis largement deep. À 150 bébés, je suis bien. Ah ben, pourquoi je suis en pause sur ce tournoi et pas sur celui-là en même temps? Ah mais les pauses sont vachement tôt sur BetClick, ils devraient se synchroniser avec Winamax, avec tous les sites en fait. Ils devraient se synchroniser. Après, c'est pas un .fr, BetClick. Ben si, celui-là c'est la version .fr, BetClick, non? En tout cas, ce tournoi, c'est un FR. Mais s'ils mettent FR, c'est que c'est pas un .fr, c'est un .com, BetClick. C'est pour ça que les pauses. Je comprends pas, c'est que j'ai un tournoi, je suis en pause, et l'autre, il joue. Donc, ils sont pas synchronisés sur les. Je comprends pas, vraiment. What the fuck? Ici, je ne vais pas jouer cette main, je suis tellement bien, je suis 16e. Je vais attendre quand même des mains un peu plus solides. Des mains potentielles. Moi, je suis très tight. Hein, de toute façon, je l'ai dit que j'étais tight. Je suis une semi-serrure. Je suis très conservateur. Je conserve mes jetons. J'ai un mode de jeu un peu à l'ancienne. Après, ça dépend. Ça dépend de ma situation, en fait. Là, si j'étais 60e, j'aurais joué cette main. Parce que bah, il faut monter des jetons. Là, pour l'instant, je ne suis pas encore au forcé de monter. Je peux être patient. Allez, les valets sur ce free-roll. On va voir ce que ça va donner. Ça va donner quoi les valets sur ce free roll? Ça va donner un x4, mais comme je vais me retrouver en dessous de 20 blindes, ça va donner une boîte directe. On va voir ce qui va se passer chez Charlie et chez Gordoncho. Est-ce qu'on va lui dire ciao à Charlie? Eh ben non, Charlie qui touche son as et qui me dit bye bye. Hop. Voilà, ça bust. Eh bien, j'ai plus que 4 tables. Je vais être en tranquillité. Je vais peut-être en rouvrir à 22h. Pas sûr parce que là, je vais peut-être essayer d'ouvrir un peu mon jeu, histoire d'essayer de snowball. Parce que regardez, 12e.
Il va falloir un petit peu essayer de mettre la pression à Voldemort, à Paygogol. Paygogol ! Et il fait boîte. Ça, ça veut dire le mec, il fait des boîtes avec les As. Et il écrit Paygogol pour que le mec il dise comment ça, je suis un gogol ? Je, bien sûr, je paye. Avec mon As 10. C'est tout ce qu'il veut, je crois. Ouh, double paire ici. Ouh, ouh, ouh. Waouh, 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 waouh. J'aurais pu mettre un peu plus là. J'aurais pu mettre un peu plus que 300. Oh, mais je n'avais pas vu, mais c'est qu'il recommence en fait. Il recommence à chaque main en fait, le mec. What the fuck ici? Allez, un petit 70-30. Oui! Bim bam bim bam bim. Alors c'est qui le gogol? Pardon. Pardon, pardon, j'ai pas pu m'en empêcher de dire ça. Oh merde! Ah, j'avais double paire, il y a le putain de 10 qui tombe. De merde! Aïe aïe aïe! Bon. Eh bien, cinquième finalement, plateforme des jeux de stratégie. Alors si je fais une belle perf, je sens que ça va faire un petit effet sur la vidéo et ça peut être sympa. Ça peut être sympa. J'espère que je vais faire un bon tournoi. Ce n'est encore que le début. Il n'y a rien de fait encore. Bon allez. C'est un rebuy, je suis 25e, j'ai les 6. J'envoie. Ce n'est pas ma méthode habituelle, mais sur les rebuys, c'est quand même différent. Et voilà, un petit 50-50 ici. Et 70%, 86. Ah. Et on est revenu au tapis de départ. T'arrêtes de me mettre des pouces, là. Ok. Mets-moi des pouces sur ma chaîne YouTube plutôt que de me les mettre sur la table. Ça sert à rien, hein. Pardon. Il ne sait même pas. Je parle à un profil vide, là. Je parle à personne, là, en fait. Que fais-je? Dans quelle étagère? Alors, ici, je suis devenu le chip leader. Et je suis cinquième du tournoi. Donc là, sur cette table, je vais essayer un petit peu peut-être de la dominer. Si j'ai plus beaucoup de tables, je vais essayer d'être un peu agressif, faire relancer beaucoup de mains. Je ne sais pas trop. Ou alors, je continue mon jeu serrure. Mais là, je pense que j'ai un spot tranquille à deux blindes 2, là, ici, hein, comme souvent au bouton. Plus, c'est une main qui est tout à fait correcte, ma foi. C'est une main qui est tout à fait correcte ici. Là, j'attends un 7. Un 7 serait fantastique. Et donc, 4 fois 4, 16. J'ai une belle chance sur 6. Je pense que je peux envoyer une petite bébé de continuation. J'y suis tranquille. Histoire de poser la question. Il te pose la question et il a trouvé la réponse. C'est que le pote, il est à moi, mon ami. Hop. On va être patient. Patience, petit patience. Tout vient à point. Qui sait attendre? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je fais des accents bizarres et tout. Je sais pas ce que j'ai. C'est peut-être. Est-ce que je suis pas en manque d'oxygène finalement? Je commence à délirer tout seul. Devant ma webcam. En plus, je suis même pas en live. Bon, c'est peut-être pour ça, c'est parce que je pense que je vais pouvoir faire des montages et enlever toutes les conneries que je raconte. Eh bien, j'ai déjà récupéré 90 centimes d'élimination. Bah, c'est déjà cool, ma foi. C'est déjà cool, ma foi, foi. Est-ce que je fais un 2 blindes 5, là? 2 blindes 5, c'est donc 500. Hop! Prends le temps d'écrire. Ce que j'aime pas, c'est qu'il faut cliquer sur le truc précisément, alors que là, hop, je peux écrire directement, voilà, pour faire tapis, là. Horrible, bien sûr. Dangereux ce que je viens de faire. Un misclic par-dessus et j'ai fait tapis avec une main de merde, avec un 3 bêtes. Un 3 bêtes chaud avec une main de merde. Très dangereux ce que j'ai fait là, voyez-vous. Eh bien, les gars, donc bête sur relance. Enfin, donc bête, relance. Tendu de jouer ce coup là. Hop! Un petit As-3 ici, mais je suis en petite blinde, donc ça va être un 2,2 comme d'hab. Et merci, ça folle d'automatique. Il y a beaucoup de respect maintenant. C'est normal, je suis chip leader. Pas chip leader du tournoi, mais chip leader de la table.
Bon, j'aimerais bien tomber sur Mathieu et qu'il ait un stack petit et qu'il me file des tickets de 10 euros si je l'élimine. Il faudrait que je lui demande, voilà, je vais peut-être rajouter dans la vidéo actuelle que je suis en train d'enregistrer, je rajouterai peut-être un petit bout pour vous dire en fait s'il y a des gens qui ont réussi à éliminer Mathieu et à avoir des tickets de 10 euros. Je trouve ça super qu'il fasse ça. C'est vraiment, c'est promotionnel, hein. Ça fait vivre son tournoi, ça le donne envie à des gens du coup de prendre du coaching avec lui et tout ça, hein. Je dis pas que quand on fait de la communication sur ses activités, voilà, les cadeaux c'est promotionnel, hein. C'est comme les bonus sur les poker rooms, c'est toujours pour vous faire mettre de l'argent, hein. Mais je trouve ça à la fois intelligent, mais à la fois sympa parce que voilà, un mec comme moi là, qui a besoin de bankroll. Je tombe sur lui, j'arrive à lui mettre à gagner un 50-50 ou à être à faire une bonne rencontre contre lui, quoi. Il a les rois, bon, moi j'ai les as, un truc à la con comme ça, et puis je ramasse des tickets 10 euros, merci, quoi. Tu vois, il n'est pas obligé de le faire, ça. Donc c'est cool. J'en ai marre. Hein. Oh. J'espère qu'un jour, je ne vais pas être obligé de faire une grève du poumon ou quoi. Vous savez, j'étais descendu à 40% de capacité respiratoire. Je suis remonté à 80% maintenant. Grâce à mon traitement lourd, là, en biothérapie. Je suis sous biothérapie depuis un an. Je me fais piquer toutes les deux semaines. Chaud. Chaud patate. Mais du coup, bon, je suis remonté à 80%. Par contre, comme j'ai arrêté les aérosols, parce que j'avais les aérosols à la maison, tous les jours, je respirais dans mon masque, là, une demi-heure tous les jours, là. Du coup, j'ai pu arrêter de faire ça, c'est cool, mais par contre, du coup, souvent, je suis mal, parce que là, en fait, je me ferai un aérosol, ça irait mieux dans une demi-heure, mais je le fais plus, parce que faut pas faire tout le temps des aérosols, mais là, en réalité, j'en aurais besoin. Hein. Bon, mais c'est la pause, je suis bien, je suis 6e sur 66, oh là, quel chiffre, hein, quel poste, quelle place, il y a 13 payés, donc voilà, en plus, j'ai déjà gagné 45 centimes, Et là, les éliminations peuvent rapporter gros parce que sur les mecs qui ont déjà fait une élimination comme eux, en fait, tu ramasses directement 62 centimes. 67 centimes. Donc, j'ai déjà 90, 67 centimes. J'aurais déjà presque financé mon tournoi si je fais encore une élimination d'un gros. Et puis, il y a peut-être des mecs qui ont fait double élimination comme moi. Donc, ils sont potentiellement, on peut leur prendre 90 centimes d'un coup dans la bankroll, et donc je serais donc à 1,80€. Et en fait, mon tournoi serait déjà remboursé. Donc, un item là-dessus, et vous êtes vraiment pas mal. Après, il y a combien à la gagne? Mais il y a quand même 17 balles. Hein. 17 balles, mais on n'est pas très nombreux. Hein. On est que 66, quoi. 17 balles au premier et 17 balles au deuxième. 12 balles au troisième. Même le dixième, même le sixième, par exemple, il ramasse presque 5 euros. Ben moi, je trouve ça pas mal. Je te suis en direct, John. Je suis pas en direct. Il me fait peur, là. Je me suis pas trompé, quand même. Je suis en quoi? Record only. Non, je suis pas en direct. J'ai eu peur, d'un coup. Je me suis dit, mais si les mecs voient mes mains... Bon, il y a un délai, mais... Bon, allez, c'est la pause, donc je la prends. Donc, je sais pas, peut-être que je couperai ça, mais je suis pas sûr parce que le montage, ça prend du temps. Et si c'est juste pour faire des petites coupures de 3 minutes, bah avancez dans 3 minutes, quoi. Hein ? Vous m'en voulez pas, hein ? J'ai beaucoup de boulot.
J'ai juste coupé le son pour pouvoir parler avec mon fils, hein, vous entendiez, parce que bon, je vais lui dire des choses très privées, comme le code de ma carte bleue et tout ça. Donc voilà. Hop. Le son, c'est où ? C'est là. Me revoilà. Alors, si vous êtes sur ce stream, enfin sur cette vidéo, je ne sais pas si on peut appeler ça un stream quand c'est pas du direct. Enfin bon, c'est une vidéo en direct. Enfin, elle est faite comme une vidéo en direct. Il n'y a pas de montage. Je vais pas en faire deux fois d'affilée. Parce que là, en fait, les mecs, même avec une main marginale, ils vont me payer, c'est sûr. Ça va les saouler. Et ce serait dommage. Ah mince. Et donc voilà, si vous êtes sur cette vidéo, je vous invite à me dire un petit peu qui vous êtes. Dites-moi comment vous vous appelez, quelles sont vos mensurations. Non, je plaisante, est-ce que vous mangez le midi? Non, je plaisante. Dites-moi, voilà, comment vous appelez si vous avez envie, votre pseudo Winamax ou votre gang Winamax. Votre pseudo PMU, voilà, si vous voulez qu'on fasse, pourquoi pas, un jour... des heads up ensemble, etc. Si vous êtes pro, comme vous pouvez le voir sur la chaîne, il y a pas mal d'émissions, des émissions échecs. Ces émissions échecs, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai envie de faire des émissions poker aussi maintenant, ça y est, j'ai vraiment envie. Donc si vous êtes pro, si vous êtes coach, si vous êtes un joueur semi-pro ou quelqu'un vraiment de gagnant, par exemple, qui fait un complément de salaire
Voilà, ou que vous êtes, je sais pas, gérant, vous êtes croupier dans un casino, ou vous avez un compte en banque tellement énorme que vous êtes un joueur récréatif mais qui fait des gros tournois, ou je sais pas moi, des profils, voilà, si vous pensez que c'est intéressant, voilà, votre, comment dire, une interview de vous peut être intéressante, eh bien, je vous invite à m'envoyer un petit message, et puis... je vais commencer à développer une émission poker, donc une fois par semaine. Donc, j'aurai une émission échec par semaine, une émission poker par semaine, ça va commencer à être un vrai travail, mon truc, là. De blindes 2, ça fait combien? Ça fait 550, je crois. Je calcule pas si mal, en fait, les amis. Hein. J'arrive pas à compter 4, mais j'arrive à compter 2,2. x 2,2. Tu m'attaques ma blinde, folle de mort. Mais folle de mort. Il est où le respect, folle de mort? Il sait que je suis une semi-serrure, hein, ça se voit. 3 bébés, c'est cher. Hein. Mais je vais avoir la position, je vais te payer quand même, là. Folle de mort. Qu'est-ce que tu fais? Ça sent le continuation bet ici. Ça sent le continuation bet ici. Malheureusement, la dame m'embête parce qu'elle est au-dessus de mon 10. Et du coup, en fait, je peux pas toucher de 10, je peux toucher que l'as. Donc, j'ai que 3 out. Plus, il y a les tirages piques. J'aime pas trop, là, miser 2,2, 3 out. Ça fait 12% de chance. J'ai une petite chance sur 8, là, de toucher quelque chose. Mon as, quoi. Si je touche mon 10, c'est potentiellement pas suffisant. Hein. Il a peut-être une dame. Voilà. Peut-être que son x3, c'était pas un vol de blinde, mais qu'il avait une main. Donc, je pouvais pas jouer vraiment ce coup. Du coup, je lui ai donné quelques jetons. GG à lui, il m'a pris 3 blindes. Là, je peux tout simplement attaquer pied gauche ici. On a 3 là, c'est intéressant. Voilà, et donc aussi, donc voilà. Qu'est-ce que vous jouez? Est-ce que vous jouez que du MTT? Est-ce que vous jouez du cash game? Vous pouvez me dire aussi, est-ce que vous êtes un joueur, que votre style de jeu? Est-ce que vous êtes tight agressif? Est-ce que vous êtes loose agressif? Etc, etc. Bon, c'est pas un tournoi à élimination. S'il y avait des primes à prendre, là, clairement, je paye. Parce que je les couvre large, quoi. Mais je veux pas donner des jetons à tout le monde quand même, donc on va. Voilà. J'aurais perdu ici. Ah ben là, c'est la boîte, hein, quand même. Paf! Il faut monter du jeton, hein. Je peux pas rester 19e comme ça, hein. Hein, 32% de chance de battre les deux d'un coup. Regarde les dames. Ah là là! Oh là là! Eh bien, ça fait 2 fois que je buste de ce tournoi, hein. Ça commence à me coûter cher ce tournoi. Ah, mais je peux pas recave. Merde, fini. Finito. Ok, ben j'ai plus que 3 tables. Bon, je vais le partager du coup, ça aussi. Là, je peux peut-être attaquer le coup. Hein, parce que si je l'attaque pas, de toute façon, je le gagnerai jamais. Hein. Allez, je vais attaquer le coup ici avec une bébé. Tac. Bon, ben là, ça va être dur de le gagner ce coup. Hein. Après, là, j'ai un 6, mais bon, non, mais là, mais ça vaut vraiment pas le coup, là. J'ai pas du tout la cote. Et quand s'il a payé là, il me payera après. Hein. Donc, voilà, mais là, j'ai pas du tout la cote, hein, c'est mort. En plus, le 6 n'est pas si fort, parce qu'il y a 9-10 qui est devant. Donc, c'était juste un petit open d'arrachage. Hein. Là, je vais faire le 2,2, puisque le spot se présente à moi. Et là, il commence à m'enquiquiner à tout le temps me payer. Donc là, il va prendre une blinde 5. Ouais. En fait, il va prendre une blinde 2. Pour être précis. Oh, il me saoule, hein. Là, maintenant, il va prendre une blinde 5 plus 1,3 divisé par 4. Il va prendre une blinde 8 ici. J'ai dit. 1,8 ici. Allez! Allez le cœur! Allez le cœur! Allez! Oh là là! Mais qu'est-ce que tu me fais? Oh.
J'aime pas là, je suis en train de distribuer des jetons. J'aime pas ce qui se passe ici. J'aime pas ici ce qui se passe sur ce mini-roll. Mais bon, c'est comme ça. Elle est vraiment jolie la table. Je crois. Est-ce que c'est une table? Comment il a fait pour avoir cette table? C'est peut-être pour les tournois privés ou je sais pas comment on fait. J'aimerais vraiment avoir l'info. Comment il a fait pour avoir une aussi jolie table? Monsieur la ponte. Comment il a fait Mathieu pour avoir une aussi jolie table? C'est mon ami Noctali qui est à fond dans les paris sportifs là depuis quelques temps. Il n'arrête pas de dire allez, telle équipe, il doit être en train de regarder les matchs. C'est vrai que quand tu paries pour un match, c'est vachement plus cool là, d'un seul coup. On a envie de les regarder à la télé, c'est sûr. Ou au moins de suivre les scores. Ah, là, j'ai plus beaucoup de dindes là. J'ai vraiment plus beaucoup de dindes et un as, c'est déjà beaucoup un as. C'est déjà beaucoup un as. Hein, surtout que je vais être de big blind après et je suis pas sûr d'avoir vraiment quelque chose. Hein. Là, je suis vraiment à la limite, hein, j'ai 4 blindes. Combien il passe payer sur ce tournoi 10 centimes? Mais il y a 10 places payées, mais je suis pas loin d'ITM ici, là. On est 17. Ah, la suite contre la 6, il y a de grandes chances de partage, malheureusement. Je ne vais pas doubler là-dessus. Ah, voilà, 50-50, fait chier. Ah, ben non, à suite contre à suite. Ah, c'était obligatoire, hein. Allez, moi, j'aime bien jouer des petites as-suitées, mais en limpant, tranquille. En mode filou. En mode filou qui lime. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais là sur ce coup? Parce que là, regardez, j'ai pas mal d'out. J'ai les 10, j'ai les 5. J'ai les as. Là, j'ai énormément d'out. Hein. J'ai les 10, les 5, les as. J'ai vraiment beaucoup d'out. Ah, je suis obligé là. Hein. Alors là, ben, j'ai toujours plein d'out, mais... S'il tombe pas, that's not good. Là, je vais rebalancer une BB5, une BB7, pour être précis. Waouh, j'ai pas la cote, hein. Mais j'ai clairement pas la cote pour payer ici. J'ai pas envie de m'engager dans un coup dangereux. Hein. Après, là, je vais être obligé de faire un bluff. Le pot sera trop gros. Je vais être obligé de faire un bluff. Ça va être trop chaud, quoi. Bon, ici, c'est un flop rêvé. Hein. J'ai la top pair avec le tirage. D'ailleurs, mince, il y avait 5-3 qui est gênant parce que sur As-2, il pouvait avoir un tirage quinte, mais c'était très peu probable. Et du coup, c'était pas trop dans un range de call. De limp, quoi. Donc du coup, c'est pas trop dans sa range de limp, les As-2. Quoique si, hein, il y a les As-2 suités. Mais je n'avais pas à me méfier de la couleur. Donc j'avais juste à me méfier de la quinte. Et c'est souvent une quinte avec un As ici. Donc les As, ils sont quand même dans sa range de raise. Souvent. Mais ils peuvent être dans la range de limp, hein, les petits As. 10e sur 14. Eh ben ouais, mais je suis pas loin des places payées ici. Mais j'ai doublé. Je n'ai pas vu, moi. Je suis 10e, je suis potentiellement payé ici. Hein. On va resserrer un peu son jeu. Ici, j'ai la petite relance à 2-2 qui s'offre à moi pour attaquer Rastafoli. Rastafoli qui a de la chance de voir un flop qui m'empêche de faire une continuation ici. Je vais devoir m'écraser un peu. J'ai pas trop envie de faire des continuation bet tout le temps. Faut penser aussi que beaucoup de gens ont des trackers hein, et que si vous faites tout le temps assez bête, bah, ils vous respectent jamais. Et donc, vous ne pouvez jamais le faire en arrachage. Moi, je pars du principe que si j'ai des cartes au-dessus de mes cartes, si mes cartes ne sont pas des overcards, mon C-bet, potentiellement, en fait, je peux m'enliser dans un très mauvais coup. Parce que même si je touche, je ne suis pas sûr d'être bien, en fait. Finalement, je vais être encore obligé soit de check, soit du coup de rentrer dans des coups vachement dangereux où je raconte une mauvaise histoire et on ne me croit pas et je me fais piéger, quoi. Mais ça, j'avoue que j'en ai pas envie. C'est ce que j'essaye d'éviter. Mon jeu d'avant, c'était un peu ça. Hein. Je faisais beaucoup cette erreur de rentrer dans des coups dangereux pour rien
et notamment en cash game. Je perdais plein de sous en cash game avant comme ça. Cash game, c'est vraiment le mode de jeu où on veut raconter tout le temps une histoire quand on a du jeu, quoi. On veut quasiment jamais faire de bluff. On peut en faire, mais c'est tellement rare que du coup, ils vont passer plus souvent. Mais voilà. Là, je vais envoyer boîte. Pourquoi ? Parce que je suis 11e sur 12 et il faut être dans les 10 premiers et que c'est le bon spot ici. Avec roi d'âme, j'ai moins de 10 blindes. Voilà, roi d'âme suité, un petit blinde, c'est vachement bon spot ici. Et voilà, je remonte et je pense que là, il y a de grandes chances que je fasse ITM maintenant. Toujours 11e ? Non, c'est quoi cette rigolade ? C'est quoi cette rigolade ? Ah ouais, je suis toujours 11e. Ah ouais, merde, les mecs sont à 20 000. Bon, ils vont peut-être buster. Merde, j'ai fermé la table. Enfin, ils vont peut-être buster. Prions. Prions. Mais si, j'ai le petit spot d'arrachage de peau. Je le fais tout le temps, d'accord, donc ils vont me payer, mais bon. Ils me les donnent, là. Personne n'attaque les coups. J'ai un petit peu obligé de jouer. Ben, pareillement, il a de la chance, mais là, je vais peut-être faire un check raise parce que du coup, ils vont me voir faire ça. Voilà, je pense que je fais le check raise ici. Je lui fais un tout petit pour qu'ils se disent oh, mais en fait, le mec, il me coince. Voilà. Ouh, il paye tout de suite. Ça sent en fait la grosse main. On va voir s'il check ou pas. Ouh, il check. Je peux peut-être tenter un petit arrachage ici. Normalement, voilà, ça, c'est ce genre de coup un peu dangereux, mais il faut en faire de temps en temps. Faut que ça ait l'air d'une value bet. Hein. Faut vachement que ça ait l'air d'une value bet. Faut pas qu'il pense que je le bluffe, faut qu'il pense que je value. Voilà, je suis obligé d'envoyer. Voilà. C'est parti pour un value bet. En fait, les bluffs, on en envoyait très, très, très rarement. Et pour qu'ils aient plus de chances de passer, il ne faut pas tout le temps continuation bet. Il ne faut pas tout le temps jouer. Faut pas jouer beaucoup de mains. Il faut être un peu invisible que le mec se dise attends, il est serré. Il faut qu'il ait confiance en ton move. Et là, ça se trouve, il a fold une bonne main, quoi. Hein. Il a fait, ça se trouve, un fold. Qu'on peut considérer comme un beau fold, parce que je trouve qu'il a une bonne main, mais j'aurais très bien pu être sur une double paire, parce que je relance. Il sait que je suis peut-être sur un arrachage de peau et que j'ai peut-être une main marginale, et j'aurais très bien pu faire une double paire pourrie, quoi. Et lui, avec sa top paire, bah, il vaut pas grand-chose, en fait. Là, je vais fold tranquille, hein. C'est une très très bonne main, mais. Voilà. Bon, bah là, malheureusement, je ne peux pas jouer ce coup. Ouais, effectivement, il y a les as en face. Ouh! Ah, bah non. Ok, est-ce que je vais jouer cette as dame suité quand même là? Il me donne vachement envie. Hein. Franchement, ce spot me donne vachement envie. Mais je suis remonté ici, je suis 6e. Mais c'est magnifique ici. En plus, là, je touche un petit tirage. Ah, j'ai envie, mais je vais juste limp ici. Hein. Et je vais me montrer un petit peu. Voilà, on va essayer de jouer un peu quelques mains, quoi. Sur 6. 4 x 4, 16, ouais. Et 4000 ici. Ah, il n'y a pas le pic. Est-ce que je bluffe ici? C'est dangereux. Hein. C'est dangereux de bluffer, là, ici. J'ai un stack égal à son pot, mais lui... qui est galopo, mais là. Bon, là par contre, je vais mettre une bébé tranquille d'arrachage. Ça devrait suffire ici. Voilà. Superbe. Superbe, parce que tu vois, ça tombe bien. Hein. Parce que là, voilà, bon, il y a le nombre de places payées qui augmente, mais je suis 6e. Attention, il y a des mecs qui me doublent. Il hein. Y a des mecs qui sont en train de snowball ici. Oh là là, j'ai gagné le coup. Il a check. Et j'ai gagné. J'avais rien, j'étais à la hauteur, je crois. Wow, superbe. Superbe. Aux petits oignons. Là, par contre, attention, ça commence à être chaud parce que je suis 61e là. J'étais bien, 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 bien dans ce tournoi. Me meuf là pour l'instant, oh, en dehors des places payées là. Il faut que je monte. Absolument. Ah ben, que demande le peuple? Hein, petite American Airlines ici. Deux bébés. Allez, de toute façon, je t'envoie tapis au flop quoi qu'il arrive. Je te mets 7. Tu peux payer 7 avec ta main. Voilà. Hop. Allez, réfléchis pas. Tu payes. Voilà. Bien.
Voilà, bien. Mais voilà, quand on veut remonter, hein, c'est bon ça, ma foi. Paf. Ben voilà, 26e. Ouh, mais ça se passe bien aujourd'hui. Ça se passe bien aujourd'hui. Et on est 67, il y a eu pas mal d'inscriptions, il y a eu pas mal de rebuy, je pense que les sous, ça augmente. Voilà, 20 euros, 18 euros, enfin 19, 18, 19, 19, quoi. Pas mal. Pas mal tout ça. Alors, ici ça folle, ici je suis bien pour être ITM. J'ai recave une fois, donc ITM c'est pas suffisant, hein. Je recave une fois, j'ai mis 20 centimes, moi. Ah ben si, c'est suffisant. Regardez ça. Moi, quand en faisant ITM, je me rembourse. Ouais, un petit euro 33 à gagner, ça fait quand même 1,10€ de bénéfice sur un tournoi à 10 centimes. Ma foi, ça mange pas de pain. J'adore cette expression, ça mange pas de pain. Comme si, comme si le poker allait manger du pain, quoi. Ok. As-3. Caca. Eh ouais. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur de poker islamiste, hein, intégriste musulman? Parce qu'en fait, quand il a le AK... Non, mais attends, qu'est-ce que je raconte? Mais non, mais c'est pas ça. J'ai fait un mélange de deux blagues qui vont pas du tout. En fait, j'aurais dû parler des joueurs de rugby néo-zélandais, voilà. Parce qu'ils envoient tout le temps avec AK... Ouais, bon, c'est nul. Cherchez pas. J'ai sucé un clown ce matin. Et malheureusement, ça s'est mal passé. Du coup, il n'y a pas eu de la transmission des blagues correctes. Il n'y a eu que les pourries, celles quand tu fais pouet pouet. Voilà. Ok. N'empêche que là, 4e sur 67, yes, oui, en confiance. Yes, oui, bien. Donc, je suis dans une certaine euphorie, comme vous l'entendez. Tac. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Et même le premier, touche touch my nuts, qui veut qu'on lui touche ses noisettes, eh bien, il n'est pas beaucoup plus gros que moi. Il a 20 000 quand même de plus que moi. Il a un stack de départ de plus que moi. Je veux faire des éliminations là, les gars. Attention, attention, si vous en voyez boîte, vous êtes tous payés, sauf peut-être bankroll. Je ne suis pas sûr de payer bankroll. Hein. Se jouer mon tournoi sur un 50-50 potentiel... s'il y a une paire de valets ou quelque chose, ça fait peur, voyez-vous. Ça fait très peur. Là, les gens qui doivent se dire, mais qu'est-ce qui manque à Kim, là, on voyait 4 blindes à chaque fois. 10 000, c'est beaucoup. Hein. Oh, ouais, 10 000, c'est beaucoup, on va envoyer 50 000. J'ai que 20 blindes, hein. Faut pas oublier. À 20 blindes, faire une petite relance et finalement ne pas toucher un flop... C'est pas très bon. Voilà, ben là, un 70-30, hein. Un 95 et un 100%. Et là, ici, attention, je vais vers la table finale. Deuxième. Ah, pas mal. Ça valait le coup de recave. Oh, le petit arrachage ici à 5500. Hop. Ouh. Oh bah, c'est bon, c'est pour toi. Je cherche pas. J'ai même une main pourrie. Petit bébé ici, j'aurais pu mettre plus. Hein. J'aurais pu mettre beaucoup plus ici. Mais je m'attends à ce qu'il ne veuille pas en fait me laisser le coup. Et qu'il mise. Eh ben non, bon, ça suffit. Bon, je suis bien remonté ici, 33e. Je sais même pas si je vais essayer d'arracher ce coup s'il folle de tous. Un accu. À quelle famille appartient cet accu? Non, c'est cet écu. Oh, tapis. Allez, on va snowball sur la table en essayant d'éliminer quelqu'un de plus là. Alors, bien sûr, si le mec à 56 000 de jetons me paye avec une main meilleure que la dame, c'est-à-dire As-3, les As, les Rois ou les Dames. Ou même si je fais un 50-50 contre lui, bah c'est clairement pas une bonne nouvelle. Mais il n'y a qu'un stack sur 3 en fait qui m'embête. Les deux autres, je veux bien qu'ils me payent tous les jours, même contre les rois. Hein, parce que bah, j'ai quand même un monde où je touche mon as.
Si, là, on va attaquer ce coup, quand même. Voilà, et là, je gonfle. On est plus que 10, ça y est, je suis ITM. Et encore 4 éliminations, et c'est la table finale. Donc ça, c'est sympa. Petite table finale ici pour ce milieu de session, hein, parce que la session va durer longtemps encore. Hein. Il y a du monde encore sur ces deux tournois-là. Il y a beaucoup de monde. Et là, là, je vais check, tranquille. Il a égalisé ici. Je pense que je peux lui mettre la pression avec un petit bet. Je peux encore lui mettre la pression avec un petit bet puisqu'il y a ce petit cœur qui est tombé. Et voilà. Et là, il est pas bien, mon ami. Il est pas bien, là. Et là, bah, j'espère qu'il n'a pas un meilleur flush. Non, allez, c'est bon. C'est goodbye. Ici, je suis bien. Petit tournoi 10 centimes qui se passe bien. Ici, le petit 2,2. Tranquille, habituel. Il va se dire, oh, putain, il y en a marre de son 2,2. Et c'est pour ça qu'il me surrelance. Après, en fait, lui, il ne m'a pas vu le faire plein de fois. Il est nouveau un peu sur la table. Ça fait pas très longtemps qu'il est là. Du coup, je me dis qu'il ne le fait pas parce qu'il en a marre. Il le fait parce qu'il a une main. Une main qui est potentiellement meilleure que moi. Et qu'est-ce que la seule truc qui pourrait se passer bien pour moi, c'est de toucher mes trèfles. Et c'est quand même pas tout le temps qu'on touche, qu'on floppe sa couleur ou qu'on floppe un tirage. Et même un tirage, ça pourrait être dangereux s'il ne tombe pas. Donc là, je folle tranquille, hein, sans me prendre la tête. C'est une réflexion assez simple, finalement. S'il m'avait vu faire ça plein de fois, parce que je l'ai fait quand même pas mal de fois. D'ailleurs, est-ce que je vais le faire là? Allez, je vais montrer un peu de respect, je ne vais pas le faire ici. Il faut absolument soigner son image. Un truc que j'ai compris il y a peu de temps. Moi, j'ai un jeu qui est souvent très automatique à tout ce que je fais. Hein. Mais aux échecs, c'est pas grave d'avoir un jeu un peu automatique. Du moment que de temps en temps, vous essayez de reconnaître les exceptions des règles, ça va. En fait, c'est votre réflexion qui doit être bonne. Et les automatismes, en fait, on doit les avoir, mais faut pas qu'ils prennent la place d'une réflexion. C'est toujours la réflexion qui doit être... C'est le chemin de réflexion qui doit être appris. Quelles sont les bonnes questions à se poser? Après, à partir de là, de toute façon, si on trouve les bonnes réponses, on va jouer correctement et précisément. Donc ça va. Par contre, au poker, ça marche pas du tout pareil, parce qu'au poker, il y a une question d'image. C'est ça qui est très particulier au poker. Au poker, on veut transmettre une image. Moi, je veux qu'ils se disent, bon, le mec a un jeu sérieux, il fait des relances à 2,2, pas 2,5 ou 3, 4, ce qui est donc assez moderne, les min-raise. Il est assez agressif, quand il joue un coup, il y va, il élimine des mecs. Bon, voilà, j'ai eu de la chance hein, aussi, hein, il faut de la chance. Hein. Et quand même, il est tight, il n'est quand même pas souvent dans les coups, et il fait des arrachages. Malheureusement, ça, je ne veux pas trop qu'ils se le disent. Je ne veux pas trop que les gens se disent, ouais, il fait tout le temps l'arrachage, quoi. Tout le temps, il fait 2,2. Du coup, là, je vais peut-être commencer, parce que là, il y en a plein qui me voient depuis longtemps, notamment Parabellum, Bankroll, Victor, qui est là aussi depuis pas mal de temps. Je vais peut-être commencer à... Peut-être commencer à faire des arrachages différents. Genre, je peux tenter du 2,5, là. Qui se disent, tiens, il n'a pas fait... Même si ça va marcher qu'une fois ou deux, ils vont se dire, ah, tiens, il n'a pas fait 2,2, là, il a fait 2,5. Peut-être que là... Fin de compte, il a un petit quelque chose qu'il n'avait pas eu avant, quoi. Voilà, c'est la petite idée. Alors là, bon, bah, j'attends rien, en fait. Hein. J'attends un 7 ou un 6, mais malheureusement, le 6, il ne me plairait pas du tout. Donc, j'attends qu'un 7. Donc, j'attends vraiment pas grand-chose. Donc, je peux vraiment pas donc bet ce coup. C'est chaud. Si je le donc bet, ça veut dire quoi? Que je m'engage sur un bluff. Mais là, je peux même pas payer. Hein. C'est vraiment chaud. Hein. Alors, trop chaud. Le 7 est tout petit. Là, c'est un coup qui est intéressant. Les trèfles me font peur, bien évidemment, mais il faudrait vraiment avoir pas eu de chance pour qu'il ait ces trèfles. Donc voilà, on attaque le coup, on reprend quelques jetons ici. On the flex. Moi, j'aurais pu envoyer moins que le pote. Mais en fait, voilà, je ne veux pas être payé par une deuxième paire qui après fait une double paire ou un brelan. Donc j'envoie le pauvre. Dis-moi, si tu vois, voilà, je transmets mon thinking process, hein. Toi qui es professionnel de poker, hein, Mathieu, toi qui es coach, dis-moi un petit peu si je pars de loin, je veux dire. Parce que moi, je vais en prendre du coaching, peut-être avec toi. Hein. À un moment donné, je vais mettre un billet dans du coaching. Hein. Je préfère mettre un billet dans du coaching que dans un tracker pour l'instant. Je pense qu'un tracker, ça serait intéressant, bien sûr, il faut. Mais je préfère d'abord acquérir des compétences, parce qu'une fois que j'aurai les compétences, je me servirai bien d'un tracker.
Alors que là, actuellement, si j'ai un tracker, peut-être j'ai pas assez de compétences pour vraiment pouvoir l'utiliser correctement. Et finalement, ça va être une dépense un peu pour rien. Et ça va me mettre la pression parce que je vais avoir un petit peu, quelque part, l'envie de le rentabiliser. Donc, si j'y arrive pas, je vais être dans la frustration, etc. Donc, moi, je préfère payer du coaching, prendre des compétences, des connaissances. Donc ça, je vais sûrement le faire. Et peut-être avec toi, on verra. Hein. Je vais te poser, on va en parler. Mais j'aimerais que tu me dises, peut-être en commentaire de cette vidéo, si tu en as envie, ça ferait plaisir. Ou sinon, tu m'envoies un MP. Mais bon, ça m'arrange mieux en commentaire sur la vidéo, bien évidemment, pour le référencement. Est-ce que ça va, je veux dire? Est-ce que moi, mon estime, moi, mon ego, hein, parce que peut-être qu'en fait, j'ai un ego grand, alors qu'en fait, je suis très incompétent. J'en sais rien. En tout cas, sur Winamax, j'ai un ROI qui est très bas. Hein. Si tu regardes sur Sharkscope, etc., tu vas voir, c'est très bas. Mais en fait, ce n'est pas mon jeu, c'est des expressos. Je me suis fait baiser par plein d'expressos. J'ai dû perdre au moins, je ne sais pas, peut-être en tout, au moins une vingtaine d'euros sur les expressos. Et comme les cadeaux du calendrier de l'Avent, malheureusement, c'est des paris. Des fois, j'ai trois paris en attente sur l'euro 2021 pour le mois de juin. Donc, j'ai mis une quinzaine d'euros là-dedans aussi pour rien. Donc voilà, donc du coup j'ai fait des dépôts. Alors que par exemple sur BetClick, si tu regardes, je ne sais pas si Sharkscope ça marche aussi sur BetClick, sur PokerStars, etc. Là par contre, si tu regardes, tu me vois complètement gagnant, et notamment sur BetClick parce que j'ai pas fait de dépôt. Et je suis à 30 euros de bankroll presque. Voilà, en partant de zéro. Ça, c'est une fierté pour moi de le dire. On peut partir de zéro. Bon, j'ai fait un one time. Hein. J'ai un ticket à 2 euros, je fais deuxième, 22 euros, bam. Ça, c'est cool. Mais voilà, dis-moi, est-ce que déjà, dans mon orga, voilà, ce que j'explique, je sais pas, tu peux regarder, il y a une vidéo où je dis ma méthode poker, etc. Est-ce que tu la trouves intéressante? Voilà, pour les gens qui veulent pas se mettre en danger, qui ont un tout petit salaire, quoi, ceux qui ont un plus gros salaire, s'ils veulent faire des dépôts, faites des dépôts. C'est pas grave, si vous perdez 30 balles par mois. Mais si vous voulez être gagnant, je pense que déjà, il faudra arrêter de faire les dépôts. Bref. Ça, vous jouez avec ce que vous avez et il faut que ça dure le plus longtemps possible. Déjà, ça va vous mettre une petite pression organisationnelle. Si vous faites que le tournoi à 25 centimes, de temps en temps, vous faites un petit tournoi à 1 euro ou 2, c'est déjà énorme. Voilà, tranquille, quoi. Déjà, ça va vous mettre un petit sérieux, une petite rigueur. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses de cette méthode et surtout par rapport à mon thinking process, là. Est-ce que ça va ou est-ce que je pars de loin? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à corriger ou est-ce qu'il y en a? De toute façon, forcément, il y en a puisque... Bah, j'ai un jeu, je pense, un peu trop tight, je sais pas. Il y a des raisonnements, peut-être, qui sont pas bons. Il ramasse 67 centimes d'un coup ici, là. Il se met bien, là. Hein, parce que là, il a éliminé un gars qui avait éliminé un autre avant, donc il s'est mis bien, là, ici. Tiantiana, avec sa voiture rouge. Comme oui, et comme moi. J'ai une petite voiture rouge. Qui se met bien, qui s'est remboursé la moitié de son tournoi, du coup, à peu près. Bon, je sais pas s'il a peut-être cave. Hein. 9e, hein. Attention, ça descend. Ça descend, enfin, disons, ça monte. Il y a des mecs qui montent, quoi. Ça, c'était sûr. Bon, c'est la boîte ici, je te mets la pression, ta petite relance, j'en veux pas. il a une grosse main! Une grosse main, le monsieur. Aïe, 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 aïe. Geronimo qui double sur moi. Malheureusement, je pouvais pas. Le mec a rien comme stack. Je suis obligé. Là, je peux pas payer avec les 7. Et là, voilà, je vais pas faire le 2,2. Je vais faire le 2,5. Ce coup-ci, qui se disent, ah, il a une meilleure main, attention. Alors que, en fait, normalement, toujours, je fais 2,2. Mais comme ça fait plein de fois que je le fais, bon, je veux qu'ils se disent, ah, voilà, donc c'est jouer sur son image. Et voilà, je vois les deux folder. Alors, ça se trouve, ils ont des mains pourries, c'est pour ça qu'ils foldent. Mais je veux dire, voilà. Ça se trouve, ils se sont dit, j'aurais mis 2,2, ça se trouve, ils auraient payé. 2,5, ils n'ont pas eu envie, parce qu'ils se sont dit, ah, il a une main. Voilà. J'essaye de jouer un peu. On essaye de cultiver une image, et comme là, je sais que dans mon image, il y a le mec, il arrache les blindes. Et du coup, j'essaye d'en jouer. Ça me semble bien. Dans la vie, c'est pareil, d'ailleurs. Hein. Attention à ça, les manipulateurs l'utilisent beaucoup. Les manipulations, ça a une connotation qui est trop négative. On voit toujours le manipulateur comme le, justement, manipulateur pervers narcissique, mais aussi le manipulateur bienveillant, ça existe, le manipulateur bienveillant, bien sûr. Manipuler, ça veut dire
En fait, on se manipule tous les uns les autres, de manière générale, on s'influence, on va dire là le terme qui est moins mal connoté, c'est influence. On va dire on s'influence tous les uns les autres. Donc, voyons ça comme ça, le manipulateur, en fait, c'est celui qui le fait consciemment. Voilà. Donc, consciemment, on peut essayer de faire le bien autour de soi en faisant des techniques de manipulation, mais pour le bien, voilà. Tout comme le font les hommes politiques qui croient en leurs idéaux, tout comme le font les orateurs divers et variés qui croient en leurs vidéos, et tout comme le font les vendeurs qui vendent des produits qu'ils apprécient, qu'ils croient bons pour les gens. Parce que du coup, ils essayent de forcer un petit peu à la vente, sauf que si c'est un produit qu'ils croient vraiment bien pour les gens, bah, du coup, ils ont tout intérêt de forcer les ventes. Enfin, moralement, ça gêne moins, quoi. Hop. Un petit set au flop ici qui fait plaisir. Hein. Qui est la top paire. En plus, j'ai un bon petit cœur. Ça va être mon valet, ça va. Ce roi qui est un peu gênant, mais bon. On va voir ce que ça donne là ici. Est-ce que Voldemort il va attaquer le coup à la river ou pas? Et on va voir comment on va réagir. Je pense qu'un petit check, ça suffit avec mon set. Voilà. Je suis payé que par mieux. Bon, dixième, hein. Ah, il y a des gens qui montent. Hein. Il va falloir moi aussi que je monte un peu. Donc là, je suis content de ce coup. Alors attention, je suis en dessous des 100 blindes, hein, on n'est plus si deep que ça. Après, ça va quand même, ça va. Là, je ne peux pas payer hein, hors de position. Un petit dernier pour la route, normalement, je ne dois pas dépasser deux le soir. En deux le soir, deux le matin, ce qui est la dose maximum. Hein, je vais en prendre trois. En fait, ça ne peut pas me faire de mal, mais comment dire, ça, c'est pas efficace. Quoi. Je peux en prendre 20, ça va revenir au même si j'en ai pris deux. Mais bon, je suis quand même dans l'idée qu'un petit troisième, des fois, ça change un petit quelque chose. Parce que vu que justement, peut-être mes poumons se sont un tout petit peu ouverts un peu plus, du coup, et j'aimerais bien en mettre un peu plus en profondeur dedans. 44e, là, il faut que j'essaye de monter, je vais faire... C'est sûrement l'une des dernières possibilités de faire un petit move ici. C'est sûrement l'une des dernières possibilités. Mais ici, je ne vais pas l'arracher, bien sûr, le coup, ce coup-ci. Voilà, je veux montrer... Voilà, c'est sûrement l'une des dernières possibilités de faire quelque chose. En plus, j'ai un flop qui m'arrange. Parce qu'après, je vais être en push or fold. Aïe, 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 il me paye. Je vais jouer ce coup. J'ai dit que c'était la dernière possibilité. Donc là, je vais faire un gros bluff. À 5 bébés. Puis, si ça passe pas, après, tant pis, je suis en push or fold à 15 bébés. Puis voilà. De toute façon, je vais être en push or fold. Malheureusement, ces 5 bébés valent cher. Hein. C'est combien que j'envoie là? C'est 15 000, hein. 15 000 jetons, ouais, voilà, mais ça passe ici. Du coup, voilà, là, en fait, il y avait une transition. Soit je me mets en push or fold et potentiellement, bah, je serai pas ITM. Alors que là, je suis plus en push or fold et potentiellement, je peux trouver des spots pour essayer de pas me faire rattraper par la structure, de pas être en push or fold et d'essayer de jouer des flops, jouer des. Avoir du jeu, quoi. Et potentiellement, du coup, avoir plus de chances d'être ITM. Et bien sûr, on vise la table finale, hein, comme d'hab. Mais en fait, il faut quand même essayer de faire beaucoup d'ITM, surtout sur les tournois qui sont hors bankroll, quelque part. Hors bankroll management, hein. 25 centimes, pour moi, c'est énorme. Hein. Quand on a 12 euros sur sa bankroll, c'est beaucoup trop. Deuxième paire, ici, j'ai une belle chance sur 4 de faire quelque chose. Et c'est pour ça que je vais mettre une blinde 3. Une blinde 3, ici, tranquille. Si c'est le petit fold. Eh ben c'est bon, ça monte quelques petits jetons par-ci, par-là. Ça se passe bien. Toujours dixième. Ouais, ça se passe bien, mon grand. Ben, comme tu l'entends, je pense. T'entends que ça se passe bien, non? Bon. Là, je vais fold tranquille. Hein. Il n'y a pas de prime à récupérer. Je préfère que... Je préfère pas rentrer là-dedans. Ben, surtout que Bibi Clo, il est énorme, dis donc. Eh, mais c'est la table finale, ici. Petite table finale, ici. Ça, c'est cool, sur BetClick. Bon, c'est un tournoi à 10 centimes, mais vous voyez que 10 centimes par 10 centimes, j'ai une bankroll de combien? Regardez, j'ai une bankroll de 23 euros. Voilà, en partant de zéro, j'ai gagné 22 d'un coup. Et puis, je suis remonté, redescendu, mais jamais de beaucoup, parce que je fais tournoi à 10 centimes, tournoi à 20 centimes, j'ai fait une 30, j'ai fait une fois un tournoi à 50 centimes. Voilà, ça, c'est le plus gros... Le plus gros hors bankroll management hein, que j'ai fait. Le plus gros one time, on va dire. Voilà. Et j'y recave une fois, donc ça devient un euro. J'ai perdu un euro comme ça.
Mais bon, là, par exemple, voilà, avec mes 10 centimes, ouh, 70%, un 80-20, ben, un 70-30, je veux dire. Et là, maintenant, c'est 100%, c'est dans la popoche. Dans la popoche. Et donc, regardez, voilà, pour 10 centimes, j'ai fait un rebuy à 20, ben, je peux quand même faire un x6, quoi, en fait. C'est beaucoup, je trouve. Ça me paye 12 tournois, 12 caves. Donc potentiellement, en plus celui-là, il y en a plein. Il y en a une dizaine par jour des tournois à 10 centimes comme ça. Ils ne sont pas très durs, je trouve. Enfin, il y a beaucoup de mecs qui s'envoient en l'air avec pas grand-chose. Mais c'est quand même pas un free-roll. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas des mecs qui font tapis de toutes les mains, comme dans les free-rolls sur Wina. Donc ils sont pas mal ces tournois, je les aime bien. Si lui, il n'avait pas limp, j'aurais peut-être joué le coup. Mais là, comme il y a eu un limp ici, il a que 12 blindes, il y a de bonnes chances qu'il envoie. Là, j'ai bien envie d'essayer de toucher mon brelan, mais je peux aussi envoyer boîte, parce que je le couvre. Je pense qu'ici, le bon move, c'est d'envoyer boîte, parce que je le couvre. C'est quand même pas une très grosse relance qu'il fait. Là, je lui envoie boîte. Voilà. Pour ça, je récupère ses blindes, et puis s'il me paye, j'ai de belles chances. Et puis, bon, bah, je vise l'élimination, je vise les 45 centimes. Voilà, donc je récupère les blindes, c'est quand même cool, hein, c'est une petite relance, donc les blindes sont pas mal, hein. Les blindes sont pas mal. Puis ici avec les valets, je suis bien encore. Hein. Ici avec les valets, je suis bien. Attention, attention, je ne vais pas envoyer boîte lui. Pourquoi? Parce que lui, bah, si je perds contre lui, par contre, je suis quasiment éliminé du tournoi. Et bah, je ne vais pas jouer mon tournoi là-dessus. Par contre, je vais call, quoi, du coup, avec mes valets en mode discretos. En mode discretos, et ça peut faire l'accident. Bah là, je le couvre, ok, mais chaud quand même, hein. J'ai vraiment peur. Après, regardez, il y a quand même 80 centimes à rattraper d'un coup. Là, il n'y a plus de recarte possible. Hein. Je le couvre de combien? Si je perds, il me reste 35 blindes. 35 blindes, c'est vraiment tout petit. Hein. Je peux avoir mieux que les valets. Hein. Là, je vais jouer très sérieux. Hein. Sérieux, man. Sérieux. Bon, lui, il a fait ce qu'on appelle un squeeze. Hein. Je pense que c'est un bon joueur, hein, Chanchina. Hein. Il nous a pas vu fort. Moi, j'aurais fait une sur-relance à 4 blindes. Il aurait peut-être pas fait le squeeze. Pas sûr. Comme j'ai juste call, ben, du coup, il a envie de quiz. Et ça se trouve, j'aurais pu le punir avec mes valets. Hein. Mais bon, là, quand même, là, je veux me montrer sérieux parce que je suis quand même bien. Je pense que là, je vais passer en mode grosse serrure. Attention, il y a plus que 35 éliminés et je suis payé. Et moi, 2 euros, c'est beaucoup pour moi. Donc, je pense que je vais passer en mode serrure un peu là. Malheureusement, ça ne va pas envoyer du spectacle, mais c'est comme ça. J'aimerais savoir où en est Mathieu. Il est où Mathieu? C'est la ponte. La ponte. Svalé. Attention, lui, il est gros. Attention, ils sont tous gros. Attention, je suis troisième. Attention, chaque place vaut de l'argent. Je vais attendre l'élimination du 42 000 ici. Non, je suis troisième sur 4. La ponte a busté. Aïe, 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 aïe. Alors, bon, ben, il a filé des tickets 10 euros. GG à la touche, j'ai buzz deux fois et les tickets sont envoyés. Waouh. Bravo. Merci. Merci pour eux. C'est sympa. Ce concept. Alors, bip, 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 ouais, troisième, pourquoi ils me mettent sur 5? Et il ne sait plus compter le logiciel ou quoi? 1, 2, 3, 4. Ok. Il y a un cinquième invisible, il est où? C'est l'arbitre? Pourquoi? 4900. Qu'est-ce que quoi? Il y a un mec à 4900, c'est le... Il y a le joueur, il y a l'homme invisible dans le tournoi, les gars. Ah, mais il y a deux tables. Non, mais attends, je comprends pas ce qui se passe là. Table, il y a deux tables. Mais non, mais pourquoi il y a deux tables d'ouvertes? Ah, bête clic qui bug, il y a deux tables. Voilà, elle est belle la deuxième table. Hein. Waouh. Bon, je vais attendre que lui s'élimine ou pas? Ah, chaud, hein. Ouais, je vais faire un limp au bouton quand même, du coup, on va essayer de trouver un mouvement. Ah là là là, plus que 20 éliminés, je suis TM ici, ce qui est pas mal.
Et bah, ça ne sera pas Arc 59, en tout cas pas tout de suite. Voilà, ce limpo bouton est potentiellement très dangereux parce qu'avec ma top paire, je peux m'envoyer en l'air, mais bon, il y a des chances quand même que ça me rapporte quelques jetons. Donc voilà, je suis content. L'homme invisible, peut-être qu'il va gagner le tournoi. Attention. Ouais, respect à Bankroll, là, une petite relance 7-25 en squeeze. A-t-il une vraie main ou pas? Ouh, le 4 bêtes. Le 4 bêtes chez Victor, c'est beau. J'adore voir des 4 bêtes. C'est déjà, il y a un mec qui. Il y a un mec qui couvre, un mec qui colle, un mec qui 3 bêtes en squeeze, un mec qui 4 bêtes, colle. Ça envoie du jeton, quoi. C'est beau. C'est ça qu'on veut. On veut qu'il y ait des mouvements. Ben là, là, quand même, à se discuter, je suis hors de position, mais j'ai envie de payer. Hein. J'ai envie de fold aussi, je sais pas. Après, là, vraiment, les deux, je les couvre. Je les couvre pas beaucoup. Enfin, je ne couvrais pas beaucoup si je les paye, mais ah, j'ai envie de jouer ce coup. Mais je vais être sérieux. Hein. Je vais pas le jouer. L'instinct dit de le jouer, mais la réflexion me dit, attention, on n'est plus que 48. On va y aller mollo, on va attendre des spots plus faciles. Celui-ci me semble plus facile à 2,2. Voilà. Et on verra après ce que je touche. Yes, le 5 qui suffit ici. Ça me met bien, là. Ça me met bien, attention, je suis bientôt en push or fold, là. Oh, un vainqueur League One Poker. Ah lui, ça fait deux fois qu'il me fait le coup. Il m'a même fait le coup une fois à tapis. Il me saoule. Tu me saoules, Tchanchana. Tu me saoules, Tchanchana.